Yeah, piop piop pénoulou, c'est ton Tantomi qu'on est sur Gran Turismo 7 en VR. VR2. Et on va se faire un petit championnat. High Speed Ring. Surtout qu'au café, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, donc on va y aller, on va y aller. Qu'est-ce qu'on a comme bayonne? Est-ce que je garde ma petite bayonne noire, là, ma petite Clio? Je pense. Entraînement. Pourquoi entraînement? Oh, le circuit, il y a des gros virages, hein, va falloir faire gaffe. Allez, mets-moi dedans, mets-moi dedans. Trop cool. Allez, c'est parti. En intérieur, allez, va. Enfoiré, il avait les mêmes idées que moi. Allez, comme au permis. Fallait pas appuyer comme un taré. C'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Oh, l'immersion est de... est dingue, dingue, dingue! C'est trop cool! J'ai une banane jusqu'aux oreilles, là, laisse tomber. Des vibrations haptiques, tout est là, tout est là, tout est là. J'ai personne dans le rétro, tout va bien. J'aurais foutu une vue maison. Et j'ai mis en normal, hein, j'ai pas mis en facile. Je tiens à le préciser quand même. J'ai bien fait de m'entraîner pendant un jour. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, hein. Ah, et puis les autres derrière, mais je les vois même plus, hein. Incroyable. Je sais pas si c'est la VR, mais j'ai l'impression de jouer mieux qu'hier. Ah, l'appréciation des distances. Hein. L'appréciation des distances. Il n'y a qu'en VR que tu peux avoir ça. Allez, boost! Ah, mais cette sensation de fou. Allez! Je suis devant, mais de combien de secondes là? Je suis curieux. Oh, oh, oh. Je l'aurais foutu 15 secondes dans la première. Hein. 15 secondes! Ah ouais, non, mais. Premier de très loin, s'il vous plaît. Course parfaite, tu m'étonnes. Ça commence bien. Ça commence bien. Allez, suivant. Course suivante, tu m'étonnes. Alors, c'est le même circuit? C'est le même circuit, ok.
Ah ouais, mais c'est pas les mêmes conditions. Ah, la flotte. Alors ça, j'ai vu qu'au permis, j'ai pas aimé, hein. Aïe, aïe, aïe. Par contre, en VR, la flotte sur un... Ah ouais, c'est classe. Pas falloir donner les gros coups d'accélérateur. Sinon tu chasses tout de suite, hein. Donc on va faire la Renault Tada mais beaucoup plus safe. Alors déjà ces deux-là c'est emballé. L'intérieur, l'intérieur. Ah, laisse-moi passer, enfoiré. Comment c'est trop trop beau. Là, le pont, là, mais je vous jure, il est d'une taille, mais laisse tomber. Tellement impressionnant. Et hop là, je te passe. Ciao, bello. Ah mais c'était obligé qu'ils soient en VR ce jeu. C'était obligé. Sortie de virage en accélère. Ah donc. Ok, je commence à prendre une bonne avance. Il s'agirait de ne pas la perdre. Petit drift. Oh, la pluie là, faut tellement faire gaffe. De rouler sur des œufs, j'allais dire marcher, mais non. Ok, c'est un gros virage, attention. T'accélères tout doucement, voilà. Pareil, heureusement que je me suis repris. Ah mais l'intérieur de la bagnole commence à être trop gros place. Je pense que ouais dans peu de temps je virerai toutes les indications. Parce que finalement en VR, ben voilà quoi. Ben, par exemple les lignes au sol, plus rien à foutre. Enfin les pointillés, non? Que c'est pour te donner la trajectoire ultime, mais franchement, petit à petit avec l'expérience, plus vraiment besoin. Pareil, le truc là qui s'affiche là devant la gueule en position dernier tour, on s'en fout aussi. Hein. On dirait l'autre temps que je roule, j'ai pas franchement envie de voir tout ça. Ok, ok, ok. On est bien. Encore une course parfaite. Avec deux courses? Oh! Oh! Ah oui! Oh putain! Ah, en plus, il y a des trucs. Allez, la troisième. Eh ben, c'était la meilleure des trois. Ouais! La Honda Integra type R. Je parle des PP. La PP à gauche était 446, PP 430, et là, PP 470. Je sais pas si la mienne n'est pas meilleure. En tout cas, elle est jolie. Je l'aime bien.
emballé. Vous pouvez désormais accéder à la section club de l'atelier de préparation. Ok. Bon, ça, je m'y intéresserai un jour, peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Du coup, alors, attends. Options. Paramètres d'affichage. Favoriser le ray tracing. Ouais, ça, on va garder. Donc, ce n'est pas ça. Cinématique activée ou désactivée la cinématique d'introduction au démarrage. Ah ouais, on peut l'enlever. Ah ouais. Sélectionnez les unités de mesure qui s'affichent à l'écran. Oh, en kilomètres, ok. Activer ou non l'affichage des notifications. Voilà. Et donner non. Ok. Et paramètres d'affichage des conversations dans le jeu. Passer les conversations en utilisant annuler. Si j'active. Afficher les recommandations sur la carte du monde. Ça, je laisse aussi. Par contre, donc, toute. Les affichages, j'ai pas le choix, je suis obligé de les laisser alors. Dommage. Difficulté de la course, non. La démonstration. Les manettes, ça fout. Réseaux sociaux, tout ça à propos de ce jeu. Bon, bah, non, bah, général. Ah, un autre, hein. J'ai rien zappé, hein. Je peux rien faire là-dessus. Ok. Régler exposition, luminosité. Je pense qu'on peut, on peut pousser un peu. Ouais, c'est mieux. Donc du coup, bah, on va continuer. Où qu'on va aller? Merci. Alors, au café, il est content de moi, le monsieur. Il va me donner une autre mission. C'est là qu'on le retrouve. Monsieur Lucard. Brand Central est maintenant ouvert, ok. Vous pouvez y acheter des modèles d'usines de course du 20e siècle. Ah, ça, ça m'intéresse. Bon, ça y jeter un œil. Eh ben, tout ça. Alors, le prochain, qu'est-ce que c'est? Les sportives japonaises. Donc, j'en ai deux à choper encore. Eh ben, allons voir cette petite sportive. Ah, alors attends, du coup, c'est quoi ça? Ah ouais, nouvelle bagnole. Ok. Ah, c'est le Brand Central. Oh, y a, oh là, il y a de la jolie. Brand Central propose des véhicules neufs du monde entier fabriqués à partir de 2001. Notre offre englobe plus de 50 marques de voitures. Ok. Bonjour. Bonjour Martin. Ok, on verra. Alors,
Ford Chevrolet. En Chevrolet, j'en achèterai une sûre. Oui, Ford, voyons voir un peu ce qu'ils ont. Juste histoire d'eux. Ouh, quelle est belle celle-là. 75 000, je pourrais me l'acheter en fait. Celle-là aussi, mais 300 000. Watcha. Alors ce qui m'étonne, c'est que, tu vois, je préfère la gueule de celle-là. Elle est beaucoup moins chère. Ok, ça monte. T'as délire. 460 000 balles. Elle est magnifique. Oh, waouh. T'as des délires. Ce que j'espère, c'est qu'en fonction des championnats, je vais gagner de plus en plus de thunes, parce que là, hein, quand je vois mes pauvres 130 000 boules, au secours. Ça y en arrive au bout. Eh ben, il y a du joli, hein. Chevrolet, voilà, je pense qu'il va y avoir du lourd. Et voilà. Direct. En plus, au niveau des chevaux, là, regarde, la troisième bagnole, elle est déjà à 659 chevaux. Il y a eu très loin. 969 chevaux sous le capot. Samir. Attends. Ah non, non, je regardais pas au bon endroit, excusez-moi. Enfin, c'est quand même 765 chevaux. Ok. Et Dodge? Dodge, c'est lourd aussi. C'est du gros et du fat, normalement, non? Pardon? Ok, c'est un peu les bagnoles ultimes là. C'est pas humain de 2623 chevaux. Oh la classe! Oh, j'aimerais savoir le son que ça fait quand à l'intérieur de cette bagnole là. Ça doit être un délire! Un million! Le million! Infinity! Oh, ils ont... Regarde. Ah bah il y en a qu'une. Mais elle a de la gueule. Par contre la puissance max elle est pas si si violente que ça. Mais elle a de la gueule. Tesla. Eh bien il y en aura qu'une aussi. Ouais. Pour la collecte quoi. Chaparral. Alors là, je savais même pas que ça existait comme marque, ça. Je savais même pas que ça pouvait exister aussi comme bagnole. Ah, celle-là aussi, elle est délire. Wouah! Il y a des trucs un peu extraterrestres, hein. Ah, bah alors ça, mais attends. C'est la DeLorean, j'allais dire, c'est la voiture de retour des futurs, ça. Délire. Grady! Rigolote. Ah ouais, alors ça... Je suis en train d'essayer de penser dans quel film je l'avais vu cette bagnole là. Parce que c'est la même couleur et tout, siège en rouge.
Ça me parle grave. Ça me parle grave. Ah, la gueule, c'est là. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est une voiture à la James Bond, ça. McForty. Ok. Oh. 759 chevaux, là, on commence à reparler, là. Et enfin, Wicked. Wicked, Wicked. Ok. Et on est qu'aux États-Unis, hein. En Europe, hein. McLaren. Oh, McLaren. Mercedes. BMW. Oui, bah oui, tout de suite, ça me parle plus. Ah oui, Allemagne, Italie, France. Ok. En France, qu'est-ce qu'on aurait de sympa? Michelin. Juste par curiosité. Ah non, c'est juste l'histoire, ça. Oui, ce que je me disais, c'est pas les bagnoles, tout ça. Ouais, chez Citroën. Eh ben, on fait du beau, hein, en France aussi, hein. Excusez-moi du peu, hein. Chez Renault. Renault aussi, ils font la bonne bagnole de course. La preuve s'il en est. Oh, oh la petite, les petites dernières là, Matza. Celle-là, j'aime beaucoup. Waouh, 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 waouh. C'est le million aussi. Je crois qu'on est un peu obligé d'aller voir. Hein. Allez, fais-nous rêver. Tout de suite, ça va chiffrer. Ferrari, ça. What? $3,600,000, sa mère. Et Lamborghini, c'est... je suis nul en bagnole, hein, faut... C'est juste à côté. J'allais dire c'est italien ou pas, je me doutais que si, mais bon, moi je cherche pas, de toute façon je veux ma bagnole. Waouh, 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 waouh. Punaise, les deux dernières là, oh là là. Je les veux, je les veux. On pourrait commencer par celle-là. Hein. Bien que celle-là aussi. Wow. Elles sont toutes belles. Oh, bon, c'est vraiment là que je lorgne. Ok. Bon, ben, merci pour la visite. Hein. Qu'est-ce que t'as à raconter, toi? Vous pouvez acheter de nouvelles pièces. Ouais, bon, bah, on verra. Alors, où est-ce que c'est éthique que je chope les bagnoles, là, pour... en Asie. Asie, Océanie. Ok. Suzuka Circuit. Défi des Japonaises. Here we go. Vous enfreignez le règlement et ne permettez pas participer à échanger les éléments suivants.
Changer de bagnole alors. Moi, je sais pas, j'en prends une petite, mais pas trop. On essaye celle-là, hein, la petite dernière. Ça marche. Bim bam boum. Et nous revoilà dans la voiture. Pousse-toi de là que je m'y pense. Allez, une intérieure, pousse-toi. Il y a du monde encore devant, hein. Allez, on y va. Troisième, c'est déjà pas mal. Et nous, on vise la Prems. Je te passe toi. En extérieur, allez. Bon, c'était risqué, hein. Ah! Ça y est. Allez, à fond. Troisième tour. Et je suis Prems. Maintenant, il s'agirait de leur mettre une petite vue. Et il prend tous les risques. Et on accélère à donf et on est bon. Yeehaw ! J'avais même pas fait gaffe que je conduisais à droite, ça fait tout bizarre. Ça fait tout zarbi. 6 secondes dans la gueule. Allez, donnez-moi des défis dignes de ce nom. On quitte. Alors, on revient en arrière et on va là. Ouh, le circuit, là, j'ai vu, là, il y a des grosses lignes. On a une grosse ligne droite et puis il y a des gros virages. Hein. Allez, here we go. Thank you.
Allez, d'une. Et le 2. Vas-y, c'est ce que je disais, gros gros virage, hein. Je savais que je pouvais le faire. Allez, dégage. Accélère doucement et après on appuie. Allez, Yamanaka. Ah, l'herbe. Allez, j'essaye de prendre un petit peu de vitesse là. Intérieur, je peux le faire, je peux le faire. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Prends son aspiration. Allez, hi-ha ! Ah, juste au dernier virage, trop bien. Ouf. Habitué du podium, un petit trophée. Allez. Trop cool. Ok, j'ai les trois. Retour au café. Semi-course de l'atelier de préparation, ok. Et là. Un petit kawaii. C'est l'heure de la pause kawa. Merci Luca. Ah oui, c'est vrai que j'ai des tickets que je suis pas encore allé voir. Je sais même plus comment est-ce qu'on y va dans les tickets. Alors, qu'as-tu donc au menu cette fois-ci, ma poule ? Ah, il nous demande d'améliorer une Mini Cooper jusqu'à 360 pp. Eh, on est con. Ok.
Alors. J'ai un atelier. Comment faire pour choisir. Ah. C'est améliorer votre niveau de collectionneur. Super. Semi-course. Ok. Comment je fais pour changer de bagnole? On peut pas le faire d'ici, faut que je retourne dans mon garage, cache. Ah. Alors, Mini Cooper, t'es ouf. T'es là. Fallait que je monte jusqu'à 350, je crois. Trois mille balles les dernières. Pneus sport très rigide à haute adhérence. Les pneus tendres sont conçus pour offrir un maximum d'adhérence. Allez, j'ai dépassé sans compter. Ah bah je suis passé à 358 cash. Bon bah voilà, c'est fait. Pourquoi je suis toujours dessus hein? Attends, c'est pas assez? Et je suis à 358. La blagouze. Bon bah, qu'est-ce qu'on va changer? Petit filtre à air. Voilà, je suis à 361. Parfait. C'est pas facile de préparer une voiture, hein. Si, ça, c'est très simple. Et un circuit mondial. Et deux. Alors. Sportive à Aillon. Ok. Et du coup, on va rouler avec la Mini. Ça va être rigolo l'intérieur. Ça va être rigolo. Alors, Europe. Bah, commençons par les Royaumes-Unis. Et on va gagner une Mini Cooper S. En plus. Alors, voyons voir l'intérieur, je vais me sentir tout petit là-dedans. Ah, c'est génial. Waouh, par contre, ça chasse beaucoup plus facilement que l'autre bagnole. Pourtant, j'ai foutu des bons pneus, hein, mais hein, ça n'a pas l'air de suffire. Bam.
Boum. Ah bah moi c'est stock car ou pas, hein. Boum. Merci de ton appui. Allez, allez, allez. Je suis en cinquième position. Hein. Elle a pas de puissance la caisse, quoi. Waouh, 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 waouh. Après, si tu veux jouer en drift, cette bagnole-là, elle peut être rigolote, mais... Hein. Enfin, j'arrive pas à les rattraper, hein. Et ça y est, et d'une. Faut que je pense à rester dans leur sillage aussi. Ça va être chaud. Pour être premier, je pense que c'est mort. Mais l'accélération qu'il a eu par rapport à moi. Au secours, quoi. Je vais pas réussir à le faire. Faut que je change de bagnole. Ah, quel lobe. Ouais, bah je prends tous les risques, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aurais voulu au moins être troisième. Ouais, c'est mort. Et ouais, tristesse. Ah, mais là, la bagnole, elle est rigolote de l'intérieur, mais... On gagne quand même des thunes. C'est gentil. Quitter. Allez, vite au garage. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme bagnole? Truc qui dépote un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je reprends ma petite Clio, là. Ça va mieux, ça va meilleur. Ah non! On a du 500. Oh. On attente. On l'attente. Alors, here we go. Parfait. Ah, je sens qu'on va tout de suite voir la différence, hein.
Ah, l'accélération, rien à voir. Regarde ça. Oh, bougez pas vous deux, je vais vous griller. J'arrive. Pardon. Oh là là, comment je l'ai poussé. Tranquillement. Tranquille, oubilou. Allez, maintenant on met de la distance. Il est chaud ce virage. Ok. Beaucoup mieux. Boum. Mini Cooper dans la fouille. Attends, j'avais cru lire un truc sur le jeu. Paramètres. Ok. Et c'est pas possible, attends. Personnalisé. Ah ouais, délire. Ça, je sais pas. Les défis drift et tout.
Ah, j'ai essayé de voir pour virer les indications. Je sais qu'il y a un truc, mais c'est où? Bordel. Pas possible, c'est parce qu'on est en VR qu'on peut pas le faire. Je comprends pas. Bon, de toute façon, on s'en fout. Allez, on est reparti. Il nous faut les deux autres bagnoles. On roule de nuit, ça c'est cool. Waouh. Oh, j'ai tellement plus de puissance que vous, les gars. Mais c'est tombé. Oh, l'effet est buff. Waouh. J'étais juste. Je le confesse. Et d'une. Et de deux. Y a pas de dégâts de collision. On ne finira pas sur les rotules. Ils sont déjà loin. Allez, pousse. Allons. OK. Je pense que ça va le faire, hein. Enfin, si je foire ce virage-là, mais bon. Je vais dire, il n'y a pas de raison. La preuve. Bim. Je suis loin du million encore, hein. Qu'elle est mignonne, hein. Et la petite DR. Où qu'elle est la petite DR? En Italie. Ouh, j'ai même pas fait gaffe au tracé, mais ça a l'air un peu chaotique. Ah, par contre, le décor, là, il va péter. Oh,
Ah oui, c'est trop beau. De l'extérieur, voilà, parfait. Ah ouais, les éoliennes et tout, ouais, c'est magnifique. Trop beau le coin. Pardon. Et allez, first. On n'a même pas fait un tour. C'est parfait. Le petit hélico là-bas qui se balade, excellent. Souci du détail. C'est splendide, c'est vraiment un tour. Faut que je passe des vacances là-bas, hein. Allez, la petite descente, on y va! Enfin, mais quand on va passer à la Formule 1, ça va être un truc de gueudin. Au niveau de l'habitacle et au niveau de la vitesse, ça va être un truc de fou. J'ai hâte. Et les gâchettes adaptatives là pour ce jeu là, mais c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. Et bim, allez. Et ben on a toutes les bagnoles, on arrive à l'heure de vidéo. Franchement, quel bonheur ce casque. Mais quel bonheur. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Allez, tchuss !